Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour rappeler et introduire un tout petit peu la notion de fonction comme vous l'avez apprise déjà les années précédentes, mais avec quelques petites précisions qui me semblaient nécessaires. Parmi ces quatre figures qui sont représentées ici, laquelle représente la fraction 1 tiers que l'on écrit 1 sur 3, nous avons donc quatre possibilités, laquelle selon vous est la bonne? La première n'est pas correct, puisque nous avons ici non pas une partie sur 3, mais une partie représentée sur 4, une partie coloriée sur 4 en tout. On pourrait considérer que celle du bas, est une représentation qui correspond. Nous avons une partie sur 3, donc celle-ci, nous devrions avoir un tiers. Mais alors, pourquoi celle-ci ne serait pas correcte? Lorsque vous parlez de fraction, vous devez avoir une notion de partage équitable. Si on vous disait « je veux partager un gâteau en 3 » et que je prends cette partie qui est ici, bien entendu, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Donc, malheureusement ici, nous n'avons pas une partie sur 3, car les parties ne sont pas égales. La dernière représentation, nous pourrions dire que nous avons non pas une partie sur 3, mais une deux parties représentées sur 6 au total. Figure par figure. Une partie sur 4, nous l'écririons 1 sur 4. On appelle communément cette fraction la fraction 1 quart. Une partie sur 3. Et donc nous avons la fraction que l'on va appeler 1 tiers. Mais celle-là, quelle est la fraction qui est représentée puisque le partage n'est pas équitable? Eh bien, on pourrait imaginer que si on prend ce partage-là, nous allons avoir deux parties sur 4 en tout. Et la dernière, nous avions dit deux parties sur 6. Nous avons donc vu ici que nous pourrions lire deux parties sur 4 et celle-ci deux parties sur 6. Mais si on regardait un petit peu autrement, par rapport au langage courant, on dirait au final, si cela représentait un gâteau, au lieu d'avoir deux parts sur 4, c'est comme si on considérait simplement une part sur 2. Une part sur 2 représente en fait la fraction 1 demi. Eh bien, nous verrons un petit peu plus tard que la fraction 1 demi et la fraction 2 quarts sont égales. La dernière représentation, vous aviez la fraction 2 sixièmes. Là encore, avec cette même astuce de découpage, nous pourrions simplement lire aussi, en effaçant cette partie, celle-ci et celle-là, nous retrouverions notre représentation 1 tiers, car nous avons une partie sur 3 parties égales au total. Donc nous aurions la fraction 1 tiers, qui serait elle aussi égale en fait à la fraction 2 sixièmes. Nous retiendrons donc qu'une fraction est en fait une notion de partage équitable, qui est vraiment la partie essentielle ici. Cette notion de partage, nous allons pouvoir la représenter visuellement. Si nous devions dessiner, représenter la fraction 2 cinquièmes par rapport à ce rectangle de départ ici, eh bien on considère que lorsqu'on dit 2 cinquièmes de ce rectangle, c'est que tout le rectangle, nous allons le partager en 5 parties égales. 5, c'est ce qu'on va appeler le dénominateur, celui qui donne le nom de la fraction. On va partager équitablement notre rectangle en 5 parties et nous en choisissons 2 sur les 5. Nous en colorons 2 ici sur les 5 choisis. Donc le 2 sera appelé le numérateur, 5 sera appelé le dénominateur. Sur ce type de rectangle, comment peut-on faire pour représenter la fraction 3 quarts? Tout ceci représentera notre unité et nous devons partager ça en 4 parties égales. Nous avons plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir, par exemple, de découper notre rectangle de cette façon-ci. Et dans ce cas-là, nous pourrions ensuite prendre parmi ces 4 parties égales une partie, deux parties, 3 parties sur les 4 en tout. Nous pourrions également choisir de faire un partage en 4 parties égales
plutôt dans le sens vertical. Donc, je rappelle que couper en 4 quelque chose, ce serait couper deux fois en 2, au final. Donc, on pourrait obtenir les 4 parties égales de cette façon-là, et ainsi colorier une partie, deux parties et trois parties sur les 4. Nous pourrions enfin faire un partage en diagonale de ce rectangle, mais nous pourrions aussi choisir de découper donc en deux parties égales verticalement, puis horizontalement, donc ça c'est assez classique, et ainsi nous aurions une partie, deux parties et trois parties sur les 4 au total. Je me permets de faire une petite remarque par rapport à ces deux schémas, puisque c'est à chaque fois la fraction 3 quarts que nous avons représentée, nous devrions avoir la même surface qui est colorée. Si on comptait le nombre de carreaux, dans la première figure, on devait avoir un total ici de 24 carreaux coloriés en vert sur un total de 4 x 8, soit 32 carreaux en tout. Donc au final, j'ai aussi représenté ma fraction 24 32e. Ainsi, nous pourrons écrire, et c'est l'objet de la deuxième partie du chapitre, que la fraction 3 quarts, eh bien, elle sera égale à la fraction 24 32e. Nous verrons un petit peu plus tard comment nous obtenons cela. Nous avons vu pour l'instant des fractions qui avaient un numérateur qui était inférieur au dénominateur. Voyons un autre type de cas. Prenons cet exemple-là. Chez le boulanger, on commande 3 demi-baguettes de pain. Situation relativement normale. Mais ici, quelle est la fraction dont on parle ? La fraction dont on parle ici est la fraction 3 demi. Comment est-ce qu'on fait pour demander au boulanger 3 demi-baguettes de pain ? Il pourra nous le faire, lui. Puisqu'on veut 3 demi-baguettes, nous avons notre unité, qui est la baguette. Nous allons donc devoir la partager en 2 parties égales. Et nous pourrons demander tranquillement à notre boulanger une demi-baguette, une autre demi-baguette et une troisième demi-baguette, à condition que j'ai fait un dessin avec deux demi-parts équitables. Vous allez très rarement lui demander 3 demi-baguettes. En général, vous allez lui demander une baguette et demie. Quel est le lien que l'on aura entre la fraction 3 demi et le nombre 1,5? De la même façon, lorsque au début d'année, nous devions tracer les fractions 12 dixièmes, par exemple, lors du chapitre sur les nombres décimaux, comment faisait-on pour représenter cette fraction 12 dixièmes sur une droite graduée, c'est-à-dire placer le point d'abscisse 12 dixièmes. Donc, je vous rappelle que l'on procédait de la manière suivante. On considérait l'unité, c'est-à-dire entre 0 et 1. On considère toute cette unité-là. On doit la partager en 10, puisqu'on parle de dixièmes, donc 1, 2, 3, etc. Et donc, nous devons choisir 12 parties sur les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Notre fraction 12 dixièmes sera à placer à cet endroit. Quel est le nombre décimal qui correspond à 12 dixièmes sur cette droite graduée? Bien entendu, nous avons le nombre 1,2. Et donc, je peux reposer encore la question. Quel est le lien entre 1,2 pardon, et 12 dixièmes? Quel est le lien entre 3 demi et 1,5? D'après notre chapitre précédent sur les divisions, 12 dixièmes est égal à 1,2. Nous pourrions lire 12 divisé par 10. Si on prend le trait de fraction et qu'on considère que c'est la division, 3 demi va être égal à 1,5. 3 divisé par 2 est égal à 1,5. En résumé, notre trait de fraction correspond à une division. Notre trait de fraction correspond en fait au symbole de l'opération diviser.